Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est dimanche 30 mai et c'est la fête des mères. Donc du coup on va, enfin je dis on parce que mon frère, ma soeur et tout le monde, on va manger chez ma soeur. Donc aujourd'hui je vais me préparer. Puisque du coup, je vais manger chez ma mère. Donc là, il est 8h45. Je me lève assez tôt généralement quand je dois me préparer. Pour avoir le temps, tout simplement. Le temps de me maquiller, le temps de me réveiller, le temps de faire ce que je veux. Et parce que j'aime pas du tout être pressée, ça me saoule. Du coup, je préfère me lever plus tôt pour être tranquille. Donc, niveau maquillage, j'ai franchement rien envie de faire de fou. Je pense juste que je vais mettre ça. Je vais mettre celui-là, ce rouge à lèvres Shine La Haute de NYX. Au niveau des yeux, bah, je vais faire comme d'hab, juste du mascara et du kohl. Je sais pas si je vais faire un liner. Je pense pas. Et ça fera très bien l'affaire. Bon. Voilà. Rouge à lèvres, yeux, tout est fait. Maintenant, je vais aller m'habiller parce que je vais enlever ce truc là. On dirait un peu... une robe de chambre comme dans les hôpitaux, des petits pois et tout, on dirait ça. Donc je vais aller m'habiller. Et voilà, tenue du jour. Donc j'ai mis une jupe tube longue blanche, mon t-shirt, je sais pas si on voit bien dans la caméra, mon t-shirt rose que je vous avais présenté dans un haut la moldeuse, je sais plus lequel. Je le trouve super beau, je crois que je vais le prendre en autre couleur. Là, j'étais en rose et il existait vraiment en plein de couleurs. Et j'ai mis des baskets blanches et voilà, c'est tout simple. Je vais aussi prendre ma veste en jean au cas où. Sinon, pour le make-up, ben, vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait les yeux rouge à lèvres normal. J'ai mis mes boucles d'oreilles qui viennent du Maroc, je les mets tout le temps de toute façon. Et mes cheveux, mais j'en reviens pas comme ils sont trop beaux. Trop beaux, trop longs. Il manquerait juste un peu d'épaisseur. C'est ce truc qui leur manque. Là, on voit bien comme ils sont longs. Ils arrivent pratiquement à mon dossier de fauteuil. Donc là, je dois rejoindre mon frère. Dans une demi-heure en bas de chez moi. Je commence à préparer. On a préparé une carte pour ma mère. Ça, c'est des trucs de mon fauteuil qui sont barrés. Hier, ils sont tombés. Donc, c'est des trucs chez où ça va. Ça vient de mon garde-boue. Donc, je dirai à mon frère qu'il les remette. Et son cadeau. Donc, vous verrez tout à l'heure ce que c'est. Et vous pouvez voir qu'il est magnifiquement emballé. Moi, je suis vraiment une reine pour emballer les cadeaux. J'ai horreur de ça. Comme hasard, cette année, c'est moi qui étais de corvée. Donc, ma foi, de toute façon, le paquet... il va pas durer longtemps, donc on s'en fout. Donc voilà, je vais me préparer et je vais descendre. Et je vous ai pas montré l'état de mes mains. Par rapport à mon visage. Enfin, là, il y a de la luminosité, donc ça passe. Mais elles sont littéralement marron. Parce que hier, j'ai voulu mettre de l'autobronzant. Et sur mes jambes, seulement sur mes jambes. Parce que vu que j'ai une jupe blanche et des chaussures blanches,
Et bah du coup, ça fait pas trop de différence en fait. Parce que j'ai vraiment les jambes, mais blanches, mais comme le mur derrière. Et donc du coup, bah, je voulais qu'elles soient un peu plus bronzées. Et le problème, c'est que bah, j'ai pas de gants. Donc j'y ai fait à la main. Et après les jambes, enfin, j'ai surtout fait le bas des jambes chez le longue. Ça passe, mais faut pas regarder trop près non plus. Sinon on voit qu'il y a des taches et tout ça. Surtout les jambes, c'était pas facile à appliquer, surtout que je peux pas me baisser tout ça. Donc voilà, regardez la nouvelle cachette de Tina, elle aime trop se foutre là-bas. On dirait un peu une Barbie. C'est les Barbie dans leur carton. On dirait un peu ça. Bon allez, il est presque 30, donc je descends. I like getting money, I got time to get it. Talking on me, so my car's a tinny. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bible in a dash and the stick is with it. And I hit the 4-5 on the wet side. But I'm from the east side, this how we slide. This how we ride, yeah, yeah, this how we ride. Going pro, no lead, make it easy like 1, 2, 3. Go, go, on 3, 2, 1. A fly T can't see me. Swish, yeah. Falling from the first whistle, we go all in. All in. And one. Call it. Numbers up and never falling. Feel like I hit the lottery and proud of me. Yeah. Yeah. No babe proud of me, so I throw pride away. She know I stuck to the plan and I stayed out the way. Now we're spending no money, never touching the bank. Touching the bank. Just from me the game and I'ma get it done. I'ma get it done. Don't do it for fame, do it for the ones. For the ones. Ace with cigar, my damage my lungs. If you want to drive, she get what she want. I like getting money, I got time to get it. Talking on me, so my car's a tinny. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bible in a dash and the stick is with it. And I hit the 4-5 on the wet side. But I'm from the east side, this how we slide. This how we ride, yeah, yeah, this how we ride. Bon, ça y est, je suis rentrée. Il est 8h30. Je suis rentrée vers 8h, j'étais un peu sur mon téléphone. Donc là, du coup, je pense que je vais clôturer le vlog. Ou non, je vais peut-être le continuer un petit peu demain. Parce que il y a ma soeur et ma mère qui viennent manger. Enfin, qui viennent manger, on va manger dehors. Donc je vais peut-être le continuer un peu demain. Pourquoi pas, il fait beau, donc autant en profiter. Sinon, pour la journée d'aujourd'hui, du coup, je vous ai tout mis en musique. Parce que, ce qu'on se disait, enfin, notre journée, je vous ai montré des images. Mais après, tout le reste, j'ai envie de dire, ça vous regarde pas. On n'a pas trop envie d'étaler notre vie sur YouTube, donc voilà, vous avez des images, quelques images, je vous ai pas tout mis, parce qu'on a bien ricané, on a bien dit des conneries, donc voilà, c'était une bonne journée. Du coup, pour ce qui est du cadeau, vous avez peut-être pas vu, je sais pas, j'ai pas regardé encore les images. Mais en gros, c'était un masseur. Donc elle se met autour du cou, c'est un masseur de cervical. Parce que ma mère, elle a tout le temps mal au cervical, tout le temps le cou bloqué. Désolée pour le bruit des voitures, la fenêtre est ouverte, donc c'est pour ça. Donc oui, elle a tout le temps le cou bloqué. Donc c'est pour ça qu'on lui a offert un masseur. En plus, franchement, moi je l'ai essayé et c'est plutôt pas mal. Je me demande si je vais pas m'en acheter aussi parce que je pense que vous le savez. Moi aussi j'ai tout le temps le cou, les épaules bloquées. Ensuite aussi je vous ai mis un petit passage où on voit une maison en construction. Du coup j'étais restée moi dans la voiture. Du coup, j'ai pas pu trop vous montrer parce que je suis restée dans la voiture parce que c'est encore tout en chantier.
il n'y a pas trop de moyens pour qu'on rentre, qu'on rentre en fauteuil dans la maison. Donc vous avez dû le comprendre, c'est la maison, la future maison de ma mère qui est en construction. Donc normalement, elle sera terminée au mois de septembre, normalement, en gros. Mais après avoir, soit peut-être avant, ce qui m'étonnerait, ou après, donc genre octobre. Parce que donc là, pour cette journée que vous avez vue, on était chez elle, mais elle est en location dans un autre village. Et donc là, elle fait construire sa propre maison dans le village où on a grandi avec mon frère et ma soeur. Et d'ailleurs, elle, ses frères et soeurs, ses parents, enfin, il y a vraiment toute ma famille là-bas. Donc, c'est pour ça qu'elle a décidé de faire construire là-bas. Donc allez, je vais arrêter le vlog ici. Je vais regarder quelques vidéos en mangeant des rouskis. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est trop bon. J'adore, c'est en fait ma soeur qui va souvent à Perpignan et qui m'en ramène parce que les rouskis, je crois que c'est originaire de là-bas. Donc c'est pour ça que chaque fois qu'elle y va, vu qu'elle sait que j'aime bien, elle me ramène. Donc voilà, allez. Sur ces belles paroles, je vous dis à demain. Salut tout le monde. Donc là, on est dimanche. Lundi 31. Oui, c'est ça, 31. Il est midi moins 5. Là, j'attends ma mère et ma soeur. On va aller manger dehors, je sais pas encore où, certainement kebab. Je suis pas trop fan, mais bon, elles veulent kebab, donc sur mon kebab. Je vais vous montrer ma tenue du jour. Donc vous l'avez déjà vu, en plus je l'avais mise à Noël. C'est une robe qui vient de Chine. Et du coup, c'est une robe vraiment légère. Donc, elle est parfaite pour ce temps-là. Elle arrive assez loin. Moi, c'est vrai que du coup, je l'avais mise pour Noël. Et elle était vraiment trop légère, limite. J'avais dû rajouter un gilet pour pas avoir froid. Donc voilà, je vais les attendre. J'ai faim en plus. Sinon, vous voyez que make-up, j'ai rien fait. Enfin, je fais jamais rien. À part mascara, col. J'ai mis du labello aussi. Je vous l'ai déjà montré dans des vidéos. C'est le labello qui fait un fini rose. Donc c'est pour ça que j'ai les lèvres un peu teintées. Et voilà, c'est tout. Cette fois, on est rentré. Ça fait déjà un moment, là il est 6h. Ça fait déjà un moment qu'on est rentré, mais du coup, je me suis posée sur TikTok.
TikTok et le problème avec TikTok, c'est qu'une fois qu'on y est, on se perd. Donc j'ai été un moment sur TikTok, j'en ai fait, j'ai fait des TikTok, j'en ai regardé un peu. Donc là, je vais du coup vous souhaiter une bonne semaine. Je vais clôturer le blog ici, puisque là, je vais regarder comme d'hab, ici tu commences, demain nous appartient. Et voilà, c'est tout. Après, je n'ai rien à faire de spécial. Donc, pas comme je disais, je vous souhaite une bonne semaine. Normalement, je vous retrouve dimanche. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. À dimanche.